Alors, il se passe beaucoup de choses, vous le savez, dans notre grande région. Vous la parcourez exactement comme nous. Et Delphine a un coup de cœur à partager justement sur un festival de notre région. Oui, pour un festival qui a lieu à Bordeaux tout l'été, c'est le festival Relâche. Il est organisé par l'association Allez les filles. Allez les filles, c'est tiré d'un titre d'un groupe de rock qui s'appelle les Tugs. C'est une formule stimulante, motivante. Allez les filles, on y va! C'est ça le... Donc l'association organise dans l'année beaucoup d'événements qui rassemblent à peu près 250 000 personnes par an. Il est sorti de l'imagination de Francis Vidal. Alors Francis Vidal, je vais vous raconter un petit peu, c'est le personnage incontournable de la scène musicale bordelaise. Il travaillait au Théâtre Barbet et un jour, il a décidé de créer ce festival, donc Relâche. Il dit « Relâche est à mon image, l'image d'un marchand de bonheur qui aime les efforts longs et lents ». C'est joli ça. Très joli. Bonheur. Alors c'est la 7e édition cette année au programme. Alors, il va y avoir des Dancing in the Streets. J'ai un super accent, c'est ça? Oui. Alors un Dancing in the Streets, c'est un bal vertical. Non, c'est un bal. Oui, parce qu'un bal horizontal, ça porte un autre nom. Justement, ça s'appelle une sieste soul. Il y aura trois siestes soul. Et oui, relâche l'été, qu'est-ce qu'on fait? On relâche, voilà. Il y aura également cette année des balades... Expliqué par toi, ça va mieux quand même. T'as vu? Des balades sonores dans le tram, dans des endroits emblématiques de la ville de Bordeaux, sur les marchés, un petit peu partout. C'est un véritable voyage de musique vivante. Le style. Le style, il y a de tout. Du blues, de la soul, du funk, du rhythm and blues, du reggae, du ska, de la musique des Balkans, de la musique latine. Vraiment, c'est pour tout le monde, c'est pour un public familial. Alors, quelques noms quand même au programme. Un nom, les Pretty Things, je prononce très très mal, c'est un groupe anglais emblématique des années 60. Ça fait plaisir à Mathias qui adore la langue française. Un groupe emblématique des années 60 dans lequel joue un ancien Rolling Stones. Premiers Rolling Stones, où il y aura Dizzy Brands, les Scatalites, qui est un groupe qui a été formé en 1964, qui fait de la musique jamaïcaine et qui a aidé à la promotion du ska dans l'histoire de la musique. Il y aura également les Nashville Pussy et puis il y aura aussi les L, un groupe... Vous connaissez Mathias, les L. Les L, oui. Voilà, oui, les L, chansons bien les L. françaises. Et puis, il y aura même des musiciens de Prince. Alors, tout va bien, c'est le festival Relâche et ça se passe à Bordeaux, tout c'est organisé. Tout l'été à Bordeaux, partout dans Bordeaux et c'est organisé par l'association. Allez les filles, on y va. Allez les filles, on y va. Merci beaucoup.